développer, on ne veut pas faire comme un incubateur de start-up qui va en récupérer une sur 100 et les autres, qu'est-ce qu'elles deviennent. Alors, donc il y a un côté profondément humain là-dedans pour travailler ensemble nos succès et nos erreurs. Et on sent que ça bouge. Très honnêtement, ici dans notre territoire de Cornouailles et à Concarneau, cette vision des explorateurs à l'image de ce que je disais pour son entraînement de cela. C'est surtout ne pas prendre un truc que tu n'as pas. Qu'est-ce que tu n'as pas ? Super intelligent ça. Hein. Ouais, pas de poupée, d'accord. Oh, oh, putain. Là aussi c'est pareil, putain, c'est grave ici. Tu sors de marche arrière, frérot, là. Putain, des trous de cul, là, franchement. Ouah, t'es super intelligente, la vieille, franchement. Conneries, t'es forte. Hein. Depuis août, ça fait pas si longtemps que ça. C'est plus longtemps que toi, déjà. Oui, mais ouais. Un petit peu plus longtemps. Mais... Sérieusement, là. Cette Samia, elle mais qu'est-ce qu'il fait il allait prendre le rond-point en contresens, lui. Waouh, mais il a pris un contresens. Pam, mais c'est des malades, hein, franchement. Oh, le vieux. Mais finalement, ce matin, la Russie annonce un cessez-le-feu. Martin Jouret pour RMC, cessez-le-feu qui est censé commencer maintenant. Le ministère de la Défense russe annonce que ses soldats vont cesser le feu sur la Syrie Azovstal à partir de ce matin et jusqu'à samedi. L'objectif, permettre l'ouverture d'un couloir humanitaire enjambé pour évacuer les civils. Lors d'un appel avec le secrétaire général de l'ONU hier, Volodymyr Zelensky avait justement demandé de l'aide pour sauver les personnes toujours bloquées dans l'usine. Car si l'ONU a déjà participé dimanche à l'évacuation d'une centaine de rescapés, des centaines de militaires et civils, dont des dizaines d'enfants, se trouvent toujours dans les galeries souterraines du complexe sidérurgique. Selon les autorités ukrainiennes, des réfugiés qui sont autorisés à gagner la Russie tous les territoires sous le contrôle de Kiev assure. Et la Russie montre les muscles à l'approche du 9 mai, date symbolique, puisque c'est ce jour-là que les Russes célèbrent la victoire sur l'Allemagne nazie. Ils jouent avec la menace nucléaire, ils disent qu'ils ont simulé des lancements de missiles nucléaires et ils préparent déjà la grande parade du 9 mai en faisant voler un avion avec l'avion prévu pour les guerres nucléaires, le fameux avion surnommé l'avion de l'Apocalypse. Écoutez ce qu'en dit le général Nicolas Michaud. Dans cette démonstration de force de guerre, avec tout ce qu'on a vu avant, sincèrement, le président de la République a mis en alerte ses forces nucléaires. Je vois bien tout le temps,
qu'il y a dans les médias nationaux sur les capacités russes à atteindre n'importe quel point de la planète en 150 ans. Il est 7h04 sur RMC, les portes claquent au Parti Socialiste au lendemain de l'accord avec la France Insoumise en vue des législatives du mois prochain, accord qui doit encore être validé ce soir par le Parlement interne du PS qui va se réunir. Et c'est pas gagné, les socialistes sont divisés par quitte carrément le parti, la dissidence s'organise, nous explique Pierrick Bonneau du service politique RMC. Dans le département de l'Hérault. Mais oui, mais oui. Enfin, moi, on va lui demander. Sérieux. Il s'est excusé. Bah, encore heureux qu'il s'excuse, le mec il s'impose quoi. Ah, il s'est complètement imposé. Voilà, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Mais j'en étais sûr. Je me suis fait réflexion juste avant. Je me suis dit, putain, tu vois, je gardais un espace de sécurité entre moi et la voiture. Je suis sûr qu'il a un peu... We are the